Don Juan triomphant. Déjà, c'est un des meilleurs sprinteurs européens. Donc là, on change totalement de cadre puisqu'on propose un vrai cheval de plat. Un fantastique cheval de plat qui a gagné le Critérium de Maisons Laffitte à 2 ans, qui a été second du Maurice de Guest en battant de très bons chevaux qui sont aujourd'hui étalons, comme Jimmy Two Time, et qui a gagné encore à 6 ans un groupe 1 à Ascot en battant 9 gagnants de groupe 1. Donc c'est vraiment un super cheval, qui est certainement l'étalon en rapport qualité-prix le plus intéressant en France. Moi, j'ai pas trouvé avec un racing comme ça un étalon à se proposer à ce prix et qui a performé autant, quoi. C'est vraiment le cheval de groupe 1 et qui a toujours couru au niveau groupe depuis l'âge de 2 ans. Alors physiquement, présente-le-nous un peu, Don Juan, comment il a évolué en un an ici? Ah bah, lui aussi, il est arrivé cheval de course, même peut-être trop cheval de course, parce que le pauvre, il est passé de son exploit dans un groupe 1 à sa vie de Ouara, donc sans avoir eu une phase de décompensation d'entraînement. Le cheval, bah, c'est pareil, il est devenu étalon, il s'est fait étalon, il l'est fait en sprinter évidemment, donc une épaule énorme, une arrière-main énorme, peut-être un peu long, mais comme beaucoup de sprinteurs, mais voilà, enfin, c'est une très jolie tête, je trouve.